Oui, on essaye toujours d'avoir une musique assez virile ici. C'est des génériques de dessins animés en fait. Génériques d'animés. Ah. Donc je vais mettre les étoiles sur cet axe-là, je pense. Clic. Ah. Je vais mettre des petites étoiles comme ça. C'était quand ton dernier tatouage, Clem? En fait, quand on était gamin, ma mère nous laissait. J'ai grandi dans la petite charmante petite bourgade de Cherbourg. Sinon, j'aurais pas ma vie. Et en fait, quand ma mère allait faire les courses, de temps en temps, elle nous laissait à la bibliothèque. Parce que la bibliothèque de Cherbourg, pour les gamins, elle était géniale à l'époque. Et moi, j'étais naturellement attiré par tous les bouquins d'origami et puis les livres sur le Japon, en fait. Je sais pas pourquoi. Depuis que je suis gamin, je. Ah. Et quand j'étais au collège. J'ai découvert dans un livre de géographie le passage sur le Japon, il y avait une toute petite vignette avec une image de Lady Oscar qui expliquait que les dessins animés donc, qu'on voit en France étaient fabriqués là-bas. Et à ce moment-là, j'ai pété les plombs, positivement. Parce que, Lady Oscar, elle est habillée comme un garçon. Lady Oscar. Et voilà, le mal était fait, j'avais mis le doigt dans l'engrenage. Ça a pris encore quelques années où j'ai. Il n'y avait pas de Fnac ou de. Il n'y avait que des petites librairies à Cherbourg. Et il y en a une, notamment, qui s'appelle Champ Libre, où mon demi-cousin avait ramené. Dont j'étais très jaloux. Il avait ramené dans ses voyages au Japon un exemplaire du Jump. Donc le magazine hebdomadaire de prépublication japonaise numéro 1. Et j'ai été happé par les dessins d'un style manga, quoi. Je connaissais les dessins animés, mais en France, à l'époque, on ne connaissait pas trop le support papier. Et je crois qu'ils ont commencé, Glénat a commencé à éditer Dragon Ball et Ranma l'année d'après. C'est là que j'ai découvert du coup, qu'il y avait avec les mangas, tout ça, et que j'ai commencé, dès que j'avais des vacances et l'opportunité, je prenais le train de Cherbourg et j'allais voir une de mes tantes à Paris et je passais 4-5 jours à Paris et je vidais toutes mes économies dans les magasins chez Tonka, Madoka et Katsumi et Junkudo, qui existait déjà à l'époque. Je sais pas si on peut parler de hype autour du Japon. Disons que la France est au niveau volume par habitant. Alors je suis pas prof de maths, mais je vais faire des efforts. C'est le deuxième pays consommateur de culture japonaise liée au manga et au dessin animé. Donc ça cartonne en France. Donc c'est pas vraiment du. Pour moi, c'est pas une mode. C'est vraiment quelque chose qui est posé, qui est établi. Ensuite, c'est pas forcément quelque chose dont beaucoup de gens se vantent. Il n'y a pas énormément de gens qui font moi j'adore les dessins animés japonais. Je pense qu'il y a encore pas mal de personnes qui les montrent du doigt, du coup ça les. Bah hier j'ai fait sur un jeune homme, donc un bras One Punch Man, j'ai commencé, il a 21 ans je crois. Et ma clientèle a entre 19 ans et 45-50 ans à peu près. Ils sont bien. En fait, la Japan Expo, je l'ai faite il y a 2 ans, j'avais un stand. Et c'était vraiment très cool.
Mais c'est beaucoup, beaucoup d'organisation. Du coup, maintenant, je la fais plutôt en visiteur. Voilà. Mais cette année, par contre, on va avoir un stand à la YCon. C'est une convention de yaoi et de yuri. Est-ce que vous savez ce que c'est ? C'est ce que c'est le yaoi ? Le yaoi, c'est les histoires d'amour entre jeunes et faibles. Et le yuri, c'est les histoires d'amour entre jeunes demoiselles. Enfin, jeunes, des adolescents, quoi. Et plus. Et du coup, il y a une convention qui s'appelle YCon, c'est avec Yaori et Yuri. C'est au sud de Paris, mais en banlieue parisienne. Ça va avoir lieu le premier week-end de décembre. Du coup, on va se prendre un petit stand là-bas, on va préparer des flashs, donc des motifs de tatouage spéciaux avec Naruto qui embrasse Sasuke ou les choses comme ça, tu vois. Les ciseaux. Il y a beaucoup, beaucoup de filles. En fait, c'est fou comme le yaoi. C'est des histoires quand même d'amour entre monsieur, mais 99% des lecteurs sont des femmes, quoi. Et du coup, je demandais à mon pote japonais, parce que on a appris un nouveau terme il y a quelques années quand on est allé là-bas avec mon chéri. C'est que en gros, la copine, la petite amie de mon pote tatoueur, c'est une fujoshi. Fujoshi. Et une fujoshi, littéralement, ça veut dire une fille pourrie. Et elle se nomme elle-même comme ça, parce que c'est des filles, en fait, qui ne veulent pas avoir de relation ni d'amour, ni sexuelle, ni quoi que ce soit avec personne. Par contre, elles se régalent de lire les histoires d'amour entre hommes. Et quand on a demandé à notre pote japonais pourquoi il y avait autant de succès avec le yaoi au Japon, il nous a dit « je ne sais pas du tout ». Il a demandé à sa copine, et le lendemain, il nous a dit, en fait, sa copine nous a expliqué que dans les histoires de yaoi, en fait, il n'y a pas de personnage féminin. Et du coup, la lectrice n'est pas en compétition avec un autre personnage. Donc, elle peut se concentrer totalement sur la romance, la japation. Moi, j'ai remarqué un truc, par contre, qui m'a choqué la première fois que j'ai fait une Japan Expo. C'est comment les gens qui font du cosplay se mettent en clan et se crachent les uns sur les autres en se disant genre « Ouais, t'as vu machin, ils respectent pas le costume de tel personnage et tout. » Et en fait, ça m'a vraiment choqué parce que je me dis « Putain les gars, vous avez tous un passe-temps chelou. Partout où vous habitez, tout le monde vous montre du doigt et là vous êtes réunis et vous vous montrez du doigt les uns les autres. » C'est genre... À quel moment est-ce que vous vous dites on fait tous partie d'une grande famille qui aime la japanime ? Non, il faut se... En fait, il y a un côté... Justement, au bout d'un moment, je me suis expliqué ça comme ça, dans le sens où il y a un côté extrêmement possessif, mais ça marche pour plein d'autres choses, c'est-à-dire que quand tu... Que tu sois dans ton... Quand tu sois dans ton village ou dans ta ville ou machin, quand tu découvres quelque chose de particulier qui te correspond vraiment, t'as l'impression que c'est presque fait pour toi. Il y a ce côté où t'as pas envie trop de le partager. Et quand tu vois d'autres personnes que t'estimes pas forcément et qui vont découvrir ce truc et qui vont le revendiquer comme style de leur découverte, il y a un côté genre « Mais non !» C'est... Par exemple, moi j'ai pas eu ce truc avec les cosplays, mais... Quand j'étais plus jeune, quand j'étais au lycée, Björk a sorti son premier album. Et il y a plein de gens, la majorité des gens que je connais, c'était des gens un peu bizarres qui l'écoutaient. Et quand on a commencé à voir des gens un peu normaux et qui étaient vraiment pas intéressants, le groupe des blaireaux là, qui se sont mis à l'écouter, on était là « Mais non, il faut pas, Björk, c'est pas pour vous et tout !» Et là, je me dis « Bon, ça... » Pendant longtemps, j'ai cru que c'était du snobisme, mais en fait, non, c'est plus ce sentiment de découvrir quelque chose... et de vouloir le garder pour soi, en fait. Merci, Clem. Salut. À bientôt. Cicatrise bien, honorable cliente.
どういたしまして。またねー。